aujourd'hui, vous avez vu le document que ces pêcheurs ont signé et ont soumis à l'État. Nous voulons que l'État relève la zone de pêche pour quitter 6 000 et aller à 12 000 pour la pêche artisanale. Ça, c'est quelque chose de très fort comme message. Quand ces pêcheurs demandent à ce que ces femmes transformatrices qui sont là depuis des années, qui n'ont pas de reconnaissance juridique, qu'on puisse signer le décret de reconnaissance de ces femmes, ça, c'est fort. Donc, c'est ça qui bouge, que ces femmes, que ces hommes se disent que, ah non, avant, on pouvait admettre les usines de farine de poisson. Aujourd'hui, aucune entité n'admet ces usines de farine de poisson parce qu'on prive nos concitoyens de leur nourriture pour aller nourrir des poissons d'élevage ou bien des animaux en Europe ou en Asie. C'est ça qui a bougé. Sur les 16 ou 17 millions d'habitants que compte le Sénégal, avec les 718 km de côte, on est à peu près à 27 000 pirogues et plus de 100 bateaux qui sont dans les eaux sénégalaises. On s'est rendu compte qu'il y a une surexploitation de ces ressources, une surexploitation même de ces ressources à travers surtout la pêche industrielle, où on ne sait pas le nombre de bateaux qui existent dans ces zones. Aujourd'hui, quand on parle de lithieux qui est dans le secteur du pétrole, comment on peut demander la transparence sur une ressource qu'on n'a pas encore exploitée au détriment d'une ressource qui nous fait vivre depuis des décennies. Et on ne se nourrit pas de pétrole, on se nourrit de poissons et de riz. Donc là où on se nourrit, c'est là où il faut mettre beaucoup de transparence. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un engagement public du chef de l'État en Mauritanie. Et on a demandé à l'État du Sénégal de respecter cet engagement et de pouvoir adhérer à la FITI pour plus de transparence.